chers amis. Je suis très contente de vous accueillir chez moi à la maison pour la deuxième fois dans le club Art Bettendorf. Je voulais dédier cette deuxième soirée de l'apéro musical toujours à un grand homme, un sincère philanthrope et altruiste et mécène, et aussi artiste et grand amateur d'art et un épicurien exquis qui était Jeannot Bettendorf, mon mari, que vous connaissez tous. C'est pour ça que vous êtes tous ici avec moi. Alors ce soir, je voulais vous présenter, avec beaucoup de plaisir, Jean-Nico Schamburg, basse, et Arina Rachel, piano. Tu sei per me.
Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange. La plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi, tu es là. Liberté, le disciple s'adressa à son maître, car désespéré et épuisé par le flot ininterrompu de ses impulsions par milliers. Je suis l'esclave de mon mental, de mes émotions, de mes pensées. Ô maître de sagesse qui connaît la liberté, dévoile-moi comment devenir comme toi, non agité? Comment vivre la paix intérieure, la sérénité? Me transformer en rayon de soleil, tout en beauté. Le maître resta silencieux tout un temps, feignant ne pas avoir entendu son étudiant, qui se tut à son tour et, s'armant de patience, rejoignit son maître dans le champ du silence. Après un long moment, comme hors du temps, le maître répondit à son disciple tranquillement. La vie est comme un fleuve, puissant et impétueux. Tu ne peux l'arrêter, même si tu le veux. Elle t'entraîne, parfois lentement, avec tendresse, parfois fougueuse, en colère, te voilà en détresse. Jamais le fleuve ne permet de t'arrêter. La vie a horreur de te voir stagner. La vie, toute vie, la tienne, ton environnement, est évolution, transformation, mouvement. Toute existence, du plus petit au plus grand, est l'expression du Créateur, du Divin, de son plan, de s'épanouir, de découvrir ses potentiels infinis. Et toi, qui es l'expression du Divin, des mêmes potentiels, tu es béni. Et si par moment, tu es oppressé par le bruit, le dynamisme de la vie en surface, où tu es comme gibier mis en chasse, comme la vague tumultueuse qui s'écrase sur la plage, comme si la mer était prise de rage. Alors, mon ami, arme-toi de sagesse. Tu peux dissoudre la rage et la détresse en plongeant dans la mer, en surface agitée, mais en profondeur immuable, toute sérénité. Ici règne le silence, la force majestueuse qui donne naissance aux vagues éphémères et tumultueuses. Et en plongeant ainsi, tu percevras ce secret de la vie. Le silence profond est le fondement de toute activité de la vie, de toute vie. Alors, mon ami, tu apprécieras le divin qui n'a qu'un vœu, que tu devines son dessein,
te rappelle de ta propre divinité, que tu reviennes vers tes origines, vers l'unité. Par profonde méditation répétée, tu découvriras au fil du temps, l'océan est vague, la vague est océan. Les deux ne sont pas l'un ou l'autre, mais bien l'un et l'autre. Maintenant, ajouta le maître, tu me diras comment cet oubli a-t-il pu naître? Comment la vague a-t-elle pu oublier cette autre réalité, cette autre, cette divine réalité? Qu'elle n'est pas cette vague toute limitée, mais l'océan même avec ses infinités, infinies potentialités. Eh bien, c'est simplement par nonchalance, par notre barque de la vie menée en ignorance de la vérité éternelle connue en tous temps par les sages, les prophètes, les illuminés, par ceux qui se sont empressés à cultiver en eux-mêmes, dans leur propre conscience, la fragile mais puissante fleur de la connaissance de cette réalité ultime qui conduit à l'état sublime de paix intérieure, de béatitude, d'une vie vécue en plénitude. C'est cela, la liberté. Bon. Bon. Bon.